Le patriarcat, c'est quelque chose qui forme système et les chaînes se tiennent les unes entre les autres. Et si on ne s'attaque pas à tous ces maillons-là, en fait, ce système, on ne pourra jamais le détruire. La différence des sexes n'est avancée dans le débat public que pour souligner la toxicité de la différence masculine en disant, en gros, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, mais il y a une masculinité toxique. Non, moi, je pense que le patriarcat n'existe plus. Dans nos traditions religieuses, c'est que les leaders de nos traditions parlent tout le temps des femmes. Ils parlent tout le temps des femmes, mais ils parlent jamais avec les femmes. I still think it's easier for people to have confidence for no reason in a man. I honestly do. I just think it's a knee-jerk reaction. It's true that we are fighting a very, very, very entrenched establishment. We're very economically unequal. We still are fighting the battle to control our own physical selves because it's the definition of patriarchy to control reproduction, and we happen to have a womb. So it's extremely unequal. Challenge men to actually step up to teach their sons how to look at little girls and young girls as their equals from a very young age, so that by the time they grow up to be the men that we need in society today. En réalité, la domination masculine est totalement en déshérence, non pas dans tous les faits, mais comme norme. L'égalité est aujourd'hui la norme. Je trouve que le féminisme a très largement gagné et que c'est dommage d'être des mauvaises gagnantes. C'est impossible de ne pas être soumise dans une société qui identifie la féminité à la soumission. Masculin a été associé à un regard neutre pendant très longtemps, parce que la majorité des films, l'immense majorité des films est produit par des hommes qui regardent des femmes. Et c'est juste pour dire, en fait, ce regard a une origine et a aussi un rapport avec la domination masculine, en fait. All over the world today, women are speaking up. The stories
are still not really heard. It is time for us to pay more than lip service to the fact that women's stories are for everyone, not just women.